Bah faut bien commencer par là quelque part. Hein. Ouais, c'est sûr. Bon, au début sur Smash 4 je jouais Lucas et Captain Falcon, je faisais des... Sur Smash 4 en plus. Mais oui. Bref, en tout cas c'est parti sur PS2 directement. Xu qui déjà se met en bord de stage et fait son deep breath histoire de gratter un peu de puissance. Voilà, là, ça beaucoup, se cherche. Ouais. Ça place quelques blasters du côté de Sphar. Voilà, c'est un petit jeu de projectiles. Voilà, on trouve une ouverture forwarder. Malheureusement rien de plus. Voilà, on tape dans les ballons. Ça passe pas, ouais. Ah, les deux ont un excellent projectile, donc quoi qu'il en soit, ils n'ont pas forcément des avantages à camper dans le boulot du stage. Ouais, le dernier évidemment qui va pas passer. Après il sert quand même à des utilités assez différentes. Hein. Ouais. Oui c'est vrai. On va pas voir Wolf qui va faire des sauts au ledge pour balancer. D'ailleurs faut bien faire gaffe, le projectile de Wolf bat celui de Wii Fit. Ouais. Il le bat, donc il le renvoie en fait tout simplement. Mais la plupart des. Oh là, on a pas bien visé le ledge. Il a trouvé le kill à je sais pas combien, j'ai pas regardé, c'était quoi, 70, 94. 94, ok. On a pas du tout attentif. F-tilt au ledge pour avoir le revenge kill, on n'a pas grab ledge non plus du côté de Sphar, hein. Quand tu grabes pas ledge, tu meurs, ça c'est la règle. Voilà, les phases basiques de Wolf, faire up tilt, c'est parti, on corner encore qui souffle. Ouh le dernier. Voilà, le back air encore une fois, on a plus de saut. Ah oui, c'est bon, ça passe. Voilà, le frame qui n'aura pas été. Bah cette fois-ci, il a bien visé le ledge, contrairement à la fois d'avant où il avait un peu dépassé sa tête. Oui, effectivement, ouais. Et je pense qu'il a bien retenu là. Ouais, clairement, c'est des traumatismes. Et là, en tout cas, avec Suki qui met une petite phase qui revient even. Effectivement, avec le ballon. Oh, la roll. Ah, le ballon encore. Oula, le Zralbe du mauvais côté. C'est dommage. Le B-reverse qui est raté. Voilà. Ah ouais, effectivement, il... Voilà, d'accord. Et ça fait beaucoup de dégâts sur le style. Ouh, le back air qui va pas encore achever cette stock. Non, il y avait pas de D-Breath du côté de Dixou. Oui. Mais quand il brille comme ça, attends. Non, quand il brille comme ça, c'est juste qu'il a chargé le ballon. Enfin, le soleil. Le soleil, d'accord, oui, ok. Là, par contre, il a fait le D-Breath. Ouais, s'il brille en rose, il a fait le D-Breath. S'il brille en jaune, il a chargé le ballon. Très bien. Merci. Ça, c'est... voilà, et là, encore une fois, ça se cherche en crouch en dessous des blasters. Effectivement, elle a un crouch qui est tellement bas, c'est incroyable. Ouais, en plus, si elle peut se déplacer avec, t'en as pas beaucoup d'épidés comme ça. T'as Snake, t'as Wario. T'as Wario qui peut se déplacer encore. Non, non, ça non, sert non, à rien, mais. Si, ça sert, mais. Mais le celui de Wario, il est pas. D'accord. Voilà, ouais, voilà. Au bout d'un moment, il abandonne, quoi. Il se dit, vas-y. Voilà, un moment, t'as vu la corpulence de Wario, je sais pas s'il fait des squats comme ça toute la journée pour se déplacer. Non, effectivement. Voilà, oh voilà, par contre, le back air, tu peux pas taper le dans le dos de Wii Fit comme tu veux. Son meilleur at of shield est derrière elle, on rappelle. Et c'est un kill move. Et c'est un kill move. Donc si tu tapes dans le dos de Wii Fit, attends-toi à te prendre un back air out of shield. Et si t'es à 120% au ledge comme tu étais comme l'était Sphar. Et que tu t'appelles Wolf, attends-toi à mourir. C'est la mort. Voilà, et encore une fois, là c'est et parti. Et la belle phase d'avantage, 50%. Oh, okay, oh là là, mais on a mis un coup de pied qui a tout gagné. C'est ça, il a fait des ricochets avec vous. Mais il a gagné toutes ses interactions. Oui, voilà, la back throw évidemment qui tue. Allez, yit. C'est parti, par contre. Et oula, ça pour les faire, attention. Mais, ça mais peut oui, le non, faire, mais c'est, clairement. Ça c'est l'entière. Là c'est quand Wii Fit elle te tue ou bien qu'elle se fait tuer, derrière elle a un deep breath gratuit. Ouais, complètement, c'est... ouais. Mais il y a beaucoup de personnages comme ça qui peuvent recharger leurs positives. Ouais, mais je veux dire, Wii Fit c'est quand même... Mais Wii Fit c'est particulier, ouais. Wii Fit c'est quand même assez fort, t'as des persos qui se boostent comme ça quand ils sont tout seuls, t'en as pas des masses en plus. Ouais, c'est vrai. C'est assez unique pour le coup. C'est de façon Wii Fit là. Oh, la get-up qui était audacieuse. Oui, très audacieuse, là, on a pas pensé à faire une get-up attaque qui aurait battu pour le coup de la Smash. Oui, effectivement. Mais on s'est pas fait punir, voilà, le ballon. 140% et là, ça pourrait tuer, mais tout pourrait tuer. Bah surtout qu'il y a un petit breath là. Là, je pense que Sphar, il fait la sauterelle, là, il attend un peu que le deep breath parte. C'est ça. Ouh, oh, le putain, je voulais évidemment qu'il va pas être puni. Quand Wii Fit est à l'âge comme ça, la classique c'est le roll F-tilt. Ouais, effectivement, parce que ça touche tellement loin ce truc, c'est tellement étonnant. Oh, voilà. La bonne spot dodge. Le fameux F-tilt au ledge, on en parle. Voilà, c'est ça. Et non, le down smash. Le griff groove. Il achève. Mais... Là, il s'est fait avoir landing. Ah, c'est dommage, parce que là, pour le coup, c'était très très chaud pour ce moment. Il a pas assez surveillé ses pieds. Et ouais, et ce down smash de Wolf qui est juste insane, quoi. Surtout avec 160% en rage, je pense qu'il aurait pu tuer à genre 70 sans problème. Non.
Non, tu mens. Il est mixte. Non, mais c'est non. Il ne peut pas. Ah, 160 avec de la rage. Oui. Oh, quand même. Non. Je pense que ça doit vachement défendre la police. Non, mais tu dis 70, non, quand même, quand même pas. Franchement, ça doit. Mid-stage, si tu me disais 70. Peut-être pas mid-stage, mais sur les côtés. Ouais. Oui, sur les côtés. Bon, du coup. Bon, en tout cas, on est là. Deuxième game, c'est du BO3, on le rappelle. Ouais, c'est du BO3, on a un loup avec une game d'avance. Un loup avec une. Mais oui, mais tu connais pas l'histoire, la fameuse fable du loup et de l'entraîneuse de non, sport. L'histoire du loup avec le pistolet, je suis pas très familier avec le folklore de Smash. Mais si, je suis sûr, il a dit si ce n'est toi, c'est donc ton frère, un truc du genre, à l'entraîneuse de sport, c'est pas ça, non? Tu pars dans tes délires, je te suis plus là. Reviens avec nous. Bon, en tout cas, c'est le grand prédateur, il a pris la première game, et voilà, par contre... Ah, et on a Darine en commentaire. Salut Darin! En terre promise, tous les Saint-Stéphanois qui viennent à Lyon. Oh, et par contre, on a mis une poutinaire dodge, je crois, du côté de Dixou. Et du coup, on a dû faire son... C'est la mort! On a dû faire son hubby super bas, et on n'a pas réussi à Rico. Ouais. Oh, le hubby, d'accord, très bien. Moi, j'adore faire des hubby comme ça on stage, je sais, hein. Ça, c'est une preuve d'irrespect. d'irrespect total. En vrai, c'est pas si mauvais parce que ça a pas mal de prio. Même si c'est lent, ouais. Si tu te fais avoir, c'est. Ça, faut pas se faire punir dessus. Mais d'accord. Oh, le regrab, non. Ce sera pas puni cette fois-ci. En vrai, c'est assez dur de punir les regrabs de Wifi parce qu'en fait, elle a des pro-jeux pour se protéger. Elle a pas mal d'options au ledge. Le ledge, c'est un peu la maison de Wifi, tu vois. c'est ça. Ouais, je pense qu'elle. Globalement, un main Wifi passe en moyenne 50% de son temps au ledge à envoyer des ballons. Non, surtout Xou, je pense. Surtout Xou. Ouais, c'est pas possible, ouais. Souris plus bien, là aussi. Voilà. Bon, en tout cas, avec Ike, je m'amuse bien. Je mets des grosses épées en feu au ledge. C'est ton truc, c'est les personnages avec des grosses épées qui font. Ouais, mal, ouais. Je me demande pourquoi tu joues pas Ganon en fait, mais. mais bon, Ganon, il sort pas son épée assez souvent. Ouais, c'est vrai. Bah il la sort sur ses smash, quoi, c'est fini. Oh, c'est pas énorme. Ouais, oh voilà, par contre, up tilt, on attend l'air dodge. Voilà, up throw, forward air. Et là, très even en tout cas. Voilà, tout de suite, on revient au score. Le backjump qui est pas passé, ça va être fini. Voilà. Oui, évidemment, avec la dash attack. Là, pour le coup, Xou, ce... Le ballon, oh non, quel dommage. On a voulu drift. Mal orienté. On a voulu... Non, il était pas mal orienté, il était juste un peu loin pour le up B. Il a drift un peu loin pour Rico comme ça. Il aurait peut-être pu Rico au side B, mais dans tous les cas, il y avait des choix à faire qui étaient, étaient dus. Il a pris un mauvais compromis. Alors ça c'est un... Il faut faire des choix dans ce genre de situation et... Ça, c'est la douille, il faut toujours faire attention. Il y a un bait que font souvent les main Wifi, c'est qu'en fait, ils envoient le ballon dessus. Et si tu shield, le ballon, en fait, il va rebondir contre ton shield, mais il a encore une hitbox. Ouais, effectivement. Ouais. Et souvent, si tu fonces sur Wifi derrière, faut toujours regarder où est le ballon parce que tu peux le faire vite avoir. D'accord. Des fois quand il y a une plateforme au-dessus de toi, en fait ce ballon il va rebondir sur la plateforme et tu vas foncer dessus, il va commencer à faire son deep breath au Wifi et en fait tu vas lui foncer dessus pour punir le deep breath et tu vas te prendre un ballon, une 2-up smash, c'est la fin. C'est ça, pour l'instant c'est très très dur en tout cas pour Spark qui est largement là pour Sense. Ouais, le grab qui va pas passer. Là j'ai plusieurs rides du côté d'X. Ouh, le smash qui est passé, d'accord. C'était un trade avec un sort spot backer, je suis pas sûr. Non, il a voulu. En fait, il a voulu land neutral air pour avoir sûrement un land neutral air. Ouh, le burry, d'accord. Il voulait probablement avoir un confirm à partir d'un neutral air 1 into, je sais pas, up smash ou up air. Ouais, sauf que le wolf il a dit je me recule et je te mets le mon gros point. F smash. Voilà. Ouh. Et faut pas oublier le F smash de Wifi au ledge catch la roll parce que il touche les deux côtés. Elle tend ses bras devant, elle tend ses bras derrière et ça tue les deux côtés. D'accord. Voilà, tu vois le ballon. Là il a fait bien attention, il a attendu parce que le ballon il rebondissait sur la plateforme. Voilà, là, là, là. Ah le F tilt évidemment. Et voilà. Mais ça y est, et c'est une victoire pour Spar. Xou, bravo. Xou, putain, qu'est-ce que. Attends, oui, Xou. Il y a un partout là. Ouais, il y a un partout, ouais, c'est ça. Non, c'est pas possible. Le jour où je verrai Sfar jouer entraîneuse Wifi et faire du. oui. Non, c'est pas le secondaire caché. Moi, je suis sûr, dans un univers parallèle, c'est un fan de yoga. Ouais, très certainement. Non, mais, Sfar, non, mais même, yoga. Même pas forcément dans un univers parallèle. Je pense en secret, c'est. Petit joint yoga, on réfléchit à la vie. Car tous les pratiquants de Yoda fument des joints. Ce sont des gros.
Alors tous ceux qui fument des joints sont des pratiquants de yoga. T'es sûr que c'est pas la même chose quand même? Moi franchement, je trouve c'est la même chose, mais. Je sens qu'on va se faire ban, tiens, c'est drôle. Non, mais pas de soucis. Je suis un invité à SNB, j'ai jamais fumé de ma vie. Bref, du coup, 37-52. Et dernière game. Les meilleurs départements, n'est-ce pas? Moi, je suis nul en géographie. Oh! Attends, what the... Oh, le bâtard! Attends, 80%, non. Il a pas fait gaffe. Je pose mes yeux sur l'écran, mais il était à quoi? Ouais, 80, mais, 80 après le coup. Mais non, mais 80 avant le coup. Avant le coup, mais... Mais le truc, c'est que 80% au ledge, le ouais, bâtard bah, de Wolf. Ouais, bah Wolf, mais oui, mais c'est ce truc qui est ultra puissant. Non, mais il a une botte en fer, mec, la botte en fer... c'est ça. Est-ce que tu t'es déjà fait marcher dessus quand t'étais goal au foot et que tu te jetais sur le ballon et que tu t'es fait marcher dessus par les chaussures cramponnées des joueurs qui voulaient te shooter dans le ballon et en fait tu ramasses le ballon, tu te prends une grosse botte en fer, mec, t'es en mode ah oui, 80% en effet je meurs. Ouais. C'est... Les fameuses bottes en fer qu'on porte au foot. Non mais des bottes cramponnées. Mais oui, je vois. Mais moi, tu vois, je jouais pas au foot. Pourquoi? Parce que j'étais pas dans les équipes, en fait. Mais lui, on est d'accord, il joue au foot, là, il fait des gros pénaltys. Je sais pas. Mais mec, il y a Dachata qui fait un gros pénalty, là. c'est du dopage, c'est tout. Je suis pas d'accord. C'est vas-y, ton excuse, vas-y. Mais non, c'est la fille en blanc là à côté qui se dope, c'est oui, évident. C'est vrai, en plus c'est elle qui se dope avec son bodybuilding. Genre elle respire profondément et ça lui fait gagner du knockback, non mais bien sûr. Mais non, mais elle brille en rose, c'est tous que ceux qui brillent en rose au foot, ce sont les tricheurs. Évidemment. Ils ont jamais fait de foot. Voilà, encore une fois, penalty, forward air. Ouais, le backer évidemment, voilà. Qui n'est pas passé. Le fameux back. Oh, ah, mais évidemment, le temps. Alors, tellement mal. Là, je tiens à féliciter Sfar pour avoir essayé de parier le soleil complètement chargé. Ouais. Parce ouais. que c'est risqué, mais il a eu le reward. Il s'est dit, oh là, il va me faire un projectile au ledge, il va le regrab. Je vais le niquer, je vais le parier son projo, don't smash, je vais pas avoir de lag. Il va rien comprendre, c'est exactement ce qui s'est passé. Très bien joué de la part de Sfar, qui prend donc une stock d'avance. Là pour le coup. Oh, la belle attente. Voilà, encore une fois, la botte en fer, hein, le fameux pouvoir de la botte en fer de... Le Burry, non, qui va rien donner. Voilà, la botte en fer qui fait toujours très très mal. Mais oui. La botte en fer out of shield, la botte en fer sur le côté, la botte en fer en Chine, tout ce que tu veux, on peut t'inventer des histoires, des milliers de dessins. Bon, voilà, par contre, le forward air, on en profite d'éjecter son adversaire pour se booster un petit peu. C'est ça, voilà. Faire une petite piqûre d'un produit qui s'appelle le deep breathing. Après, certains disent le Kaioken. Oh, par contre, le Kaioken 69%, ça va, ça se rattrape. Le forward air, et là, par contre, Iksu qui s'est pas laissé impressionner. Il est patient, voilà. Il fait ce qu'il faut. Lui c'est le goal, il se prend des bottes en fer dans la figure, mais il a des rides. Mais c'est étonnant parce que le knockback est tellement multiplié avec les projectiles, c'est incroyable. Mais c'est 1,5 je crois. Ça doit dépendre aussi des projectiles. Il me semble que la batte de Ness par exemple fait plus. C'est x2 la batte de Ness. Voilà. Et c'est en fonction du réflecteur, pas des projectiles. Des réflecteurs, putain. C'est 1,5 je crois sur Wolf, de x2 la batte de Ness. Oh non, encore! Mais ah, terrible. Et voilà, terrible ce réflecteur. Il l'a lu. Terrible. Et du coup, belle victoire pour Sfar qui avance il l'a envoyé. C'était très